part, puis après je vais te présenter, tranquillous. Hello, hello, ça y est, ça y est, ça y est, on est parti, c'est la matinale du jour. Le réseau Wi-Fi ne te permet pas, d'accord. On va basculer. Tac, tac, tac. Ah, je vois qu'il y en a déjà certains qui sont connectés. Salut Gis, comment tu vas? Salut Nat. Les agrumes arrivent petit à petit, petit à petit. Tiens, je vais me connecter sur du orange. Allumé. Pas d'accès à Internet. Hop, hop, hop. Ben, je suis pas très bien connecté. Salut Pascal, comment tu vas? 10 785, ça monte hein, doucement, tranquillement. Mais là, par exemple, je n'ai pas le live en direct. Vous pouvez vous reconnecter. Christophe. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Facebook. Il me redemande mon mot de passe aujourd'hui. Ou alors, il y a quelqu'un qui a essayé de me pirater. Va savoir. Hop, connexion. Ouais. Voilà, là j'ai le live, je vois le live ici. Ok, nickel. Bon, salut Bruno, salut à tous. Hein. Alors aujourd'hui on est vendredi et quand c'est vendredi on est gay. On est content. Tiens, vas-y, donne-moi le tien parce que moi je ne suis pas connecté. Non, comme ça c'est tout. C'est parce que là-dessus je peux regarder ce que vous dites, les gars. Ah, ma chemise, t'adore. Écoute, c'est une chemise. Merde, par contre, il faut couper le son. C'est une chemise. J'adore ces chemises qui sont un peu africaines. Si tu veux, le dessus, c'est du pagne. Et puis le bas, c'est une chemise. Salut Vince. Donc aujourd'hui, je suis à Olivier de Serres pour une raison bien particulière. C'est que tout à l'heure, il va y avoir l'inauguration de ce qu'on appelle l'espace service. C'est-à-dire l'endroit où on gère l'informatique. Salut Abdelaziz. Bah, tu aurais dû venir là, à l'inauguration, parce qu'il va y avoir tous nos chefs vont être là. Donc c'est là-bas tout à l'heure et j'espère que bah, soit je fais un peu de live ou sinon je fais quelques petites photos. Alors qui est là? Marie, salut Marie, comment vas-tu? Et comment ça s'est passé alors Montpellier? T'attends? On croise les doigts. Gis, j'ai vu. Pegasus, salut. Pascal, il est là. Martine, ah ben Martine elle est à ODS. Martine, si t'es là, descends nous voir. Hein? Vous préparez? Ben c'est bien, préparé. Salut Vivien, salut Nat. Salut Mastou, je vois que tu étais connecté. Tiens, ça marche maintenant ici. Ouais, très bien. Tu n'étais pas au courant, ben je te mets au courant. Donc quitte Bobillo et tu viens nous voir ici à ODS. Donc aujourd'hui, on est vendredi. C'est comme tu sais, tous les vendredis, c'est un peu chaud parce qu'il y a la VDS qui doit sortir à 19h. Salut. Et la VDS qui sort à 19h, et puis, bien entendu, toute la journée, il y a deux, trois petites choses qui vont se passer. L'inauguration, comme je te dis, et puis plein de choses par-ci, par-là. Hier, je ne sais pas si tu as suivi, mais enfin, c'était la finale du hackathon à Deauville. Je suis rentré assez tard, mais c'était super. Je vais t'en reparler pendant la VDS tout à l'heure. En tout cas, je suis content parce que l'équipe qui a gagné, c'est mon équipe. C'est l'équipe que je supportais, ceux qui parlaient un petit peu des PMZ fibre optique et l'État, c'est eux qui ont gagné. Salut Lilian. Alors Marie, tu me dis que... Ah, Martine dit qu'elle est en télétravail. Bon, bah écoute, tu verras ce qui se passe à ODS de loin. Marie me dit intense pour Montpellier de 9h à 18h. L'entretien final a duré 2h. Et oui, maintenant j'attends. Salut. Eh bien, écoute, Marie, si l'entretien a duré 2 heures, ça veut dire quand même que c'est bon. Parce que si, en général, tu ne parles pas bien dès le début, on écourte l'entretien. Si on va plus loin, c'est peut-être qu'on essaye d'approfondir. Salut, Tinette. Oh, Tinette, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu dire que quand tu seras grande, tu m'épouseras. J'adore. Je suis devenu tout rouge, regarde. C'est l'émotion. Salut, Xavier. Alors, bien ou bien? Abdelaziz, l'inauguration, c'est, je pense, vers 9h15 dans ces eaux-là. Donc, tu peux venir, quoi. Voilà, voilà. Je dis ça à Xavier parce qu'hier, il y avait la super fête du hackathon et je n'ai pas pu rester parce que justement, il fallait que je sois en forme ici ce matin.
Alors, j'y vais pour les anniversaires parce que je pense toujours à ceux qui vont regarder ça en replay et qui vont se dire, mais attends, quand est-ce qu'il parle de moi? Quand est-ce qu'il parle de moi? Je rappelle quand même comme ça que pour que je te souhaite ton anniversaire, il faut deux choses. Un, que nous soyons amis. Et oui, amis Facebook, s'entend. Et deuxièmement, que tu aies ta date d'anniversaire qui soit inscrite dans le groupe. Allez, aujourd'hui c'est vendredi. Tous ensemble, on va se lever pour Danette. On souhaite un anniversaire joyeux à Vince VR qui est là. J'ai cru voir que tu étais connecté. À Emeline Catrix, à Jennifer Beauclair, à Émilie Coic, à Yacine Benomar, Virginie Duchâteau, Eric Zanettacci et 2N, 2T, 2C. Ça sera un petit peu du côté de la Corse, je pense. À Geoffrey Triscos, à Sarah Lebaille, à Marion Macaire, à Roxane Pagdaman. Je crois que j'ai rencontré Roxane. En tout cas, on a déjà échangé avec Roxane. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire aussi à Lucille Roche, à Marie-Sophie, à Iris Collange-Alfonso et à Nicolas Poncelet. Bonjour. Et à tous, vous prenez un an de plus, c'est un an de sagesse, c'est un an cadeau, c'est un an cadeau. Et moi, j'ai un conseil, essaye toujours de faire les choses que tu aimes. Dès aujourd'hui, tu n'attends pas. Et pour tous les autres, si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, serre-le fort dans tes bras. Voilà. Salut Régine, j'ai eu un message comme quoi les mugs étaient partis. Tu vas donc les recevoir dans peu de temps. Et ça, c'est super. Alors, fête du jour, je ne sais pas si tu en as rencontré un dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la fête des Venceslas. Venceslas. Bon, enfin bref. Bon, approche-toi mon ami. Je voulais te présenter Stéphane. Alors, Stéphane, tu vas dire toi qui tu es. Stéphane Toulot, quoi dire de plus? Stéphane Toulot qui est pas sous l'eau. moi, je vais te présenter. Ouais, c'est un collègue d'Orange, c'est un agrume. Pour ceux qui sont là-bas du côté, c'est Bassy, ta boutique? Villebon. Ceux qui sont du côté de Villebon connaissent peut-être Stéphane, l'ont peut-être vu. Stéphane est conseiller technique là-bas à Villebon. Mais en dehors d'être un agrume, d'être quelqu'un de très intéressant, même si tourne-toi un peu sur le côté, on va regarder que tu as les cheveux. Voilà, il a les cheveux, voilà, comme ça. Mais Stéphane est un artiste. Stéphane chante. Joue, fait de la musique, et puis avec ton épouse. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés, et on a échangé sur la musique. Et je ne sais pas si je te mettrai un jour son lien YouTube, mais tu sais quoi, quand j'ai écouté les chansons que vous faisiez, vous m'avez réconcilié avec Sade. Ah! Et oui, parce que, je ne sais pas si toi tu connais Sade, tu es trop jeune, mais Sade, c'est un truc qui me plaît, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, et ça m'a redonné envie de refaire les chansons de Sade. Voilà. Salut Pascal, comment tu vas? J'ai vu que Pascal était rentré. Pascal qui nous a mis son CV qui fait le tour et qui fait le buzz. Ah, t'as vu? On en parle déjà. Cathy, bonjour. Et donc, de temps en temps, tu verras un peu Pascal avec moi. Parce que il fait sa promo. Et puis, non, c'est pas sa promo du boulot, c'est sa promo pour sa musique et tout. Donc, de temps en temps, on ira. Et puis, Pascal qui est agrume depuis. Stéphane, excuse-moi. Voilà, Pascal, voilà. Pascal, bonjour. Non, mais c'est l'histoire de... Ah voilà, Smooth Operator, ouais. Ouais, ça aussi, c'est du bon. Mais Xavier, attention, Xavier, il est en béton armé sur la musique. Ouais. Hein. On est de la même génération. Wow. Bon, on ne chante pas là parce qu'on est dans le hall d'ODS quand même. Hein, il y a quand même un certain truc à respecter. Et puis, Stéphane a quelque part un rêve, c'est de rencontrer... J'avais pas vu que vous vous appeliez pareil. Ah ben oui, voilà. Stéphane va rencontrer Stéphane. Ah ben ouais. Et il se dit que si jamais il passait là et qu'il était en train de chanter, ça la fout mal. Voilà. Je comprends bien. Salut Farida Madidine, j'adore ça. Michael, juste une petite parenthèse. Est-ce que tu as vu qu'hier, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le post que j'ai mis sur la PMZ toute dégueulasse, l'équipe qui a le projet de ça a gagné. Et tes posts, les commentaires que tu as mis sur le post que j'ai mis sont passés à l'écran devant les 400 personnes qui étaient là. Et c'est l'équipe qui a gagné. Franchement, bravo, tout bien. C'est la force même de la communauté des agrumes. Il y a Helmut. Je ne sais pas s'il est ici, Helmut. Il n'est pas à Stadium? Parce que OBS, c'est plutôt Stadium. Enfin bon, s'il est là, on va le voir ici. Vas-y, chantez un bœuf en live. Bientôt, on va préparer ça. Non. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas se lancer à ça ici, c'est trop risqué. Non, mais attends, je te montre, hein, parce que peut-être que tu vas dire que je fais le... Regarde,
Regarde quand même, on est dans le hall d'ODS. Hein. Voilà, il y a tout le monde qui passe là-devant. Hein. On ne veut pas quand même se griller tout de suite comme ça. Mais un de ces jours, ça veut dire. Voilà. Donc, Stéphane, qui est. Dis-nous, bah, parle-nous de toi. Tu es marié, tu as des gosses? Ouais. Donc, je suis marié, un enfant, une fille de 16 ans déjà. Ah, quand même, tu transpires, non? Oh, ça va, ça va. Ça va. Ça va. Et puis, conseiller technique chez Orange. Et puis, la musique, ma passion, mon premier amour. Premier amour. Tu sais que chez les agrumes, quand on dit qu'on est marié, c'est fini, tu t'es fermé. Ah, bah oui, là, je suis complètement grillé. Ah. La grille est fermée. Bon, tu aimes faire la fête? Ah, oui, bien sûr. Bon, c'est bon. Donc, ça veut dire que les afterworks de Paris, de temps en temps, on le verra. Voilà. Et puis, bon, il aime la musique. Donc, forcément, de temps en temps, pour ceux qui me connaissent, je fais des fois des bœufs. Si peu, il viendra. Et puis, voilà. Avec plaisir. Voilà. Et puis, il n'y a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe hier? Je n'ai pas eu le temps beaucoup d'être très actif parce qu'il y avait le hackathon et j'ai suivi tout. Xavier était avec là. En fait, j'étais le stagiaire de Xavier. Et Xavier était mon cadreur, enfin bon, un truc comme ça. J'étais vraiment épaté parce que là-bas, tu connais le principe du hackathon? Pas encore. Alors, je te le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Ce sont des idées de OSE, le programme OSE, qui sont prises en main et pendant, ils sont sélectionnés. Là, il y avait 12 idées sélectionnées et pendant 2 jours, 48 heures, des gens vont travailler dessus. Le porteur du projet ou les porteurs du projet, une ou deux personnes, entourés de développeurs, de marketeurs, de communicants, de business angels. Et en 48 heures, ils doivent sortir le projet et en parler. Et honnêtement, c'est quelque chose de... Bonjour, ça va? C'est quelque chose de très intéressant parce que tu vois comment des gens d'horizons différents, parce que tu as des jeunes, des vieux, des gens qui viennent de l'autre côté de France et tout, qui sont réunis dans une chambre et ils bossent dessus. Il y a les super conditions. On était quand même à l'hôtel Barrière de Deauville. Le genre d'hôtel que, honnêtement, c'est pas là où moi je vais me payer une chambre. Moi non plus. Une bouffe comme ça, des animations, piscine, golf, enfin plein de trucs. Mais pendant 48 heures, tu n'as pas vraiment le temps de t'amuser. Et... le dernier jour, c'est-à-dire c'était hier, chacun passe sur scène pour expliquer devant un parterre, un jury, quoi, où il y a quand même des gens importants, il y avait le directeur d'unité, et tu présentes, mais tu as peu de temps, hein, je crois que c'était 7 ou 8 minutes, et tu dois présenter ton truc, alors soit sous forme vidéo, soit sous forme théâtrale, mais en tout cas montrer ce que tu as fait et voir quels sont les intérêts d'Orange dessus, parce qu'on parle pognon, hein, n'oublions pas. Et à la suite, le jury donne le OK à deux projets. Hein, donc hier, ils ont décidé pour deux projets. Celui qui parlait des PMZ, la fibre. Et le deuxième, c'était l'étude des verbatimus analysis, je me souviens de ça. Voilà. Et ces projets vont être ensuite pris en main et vont sortir. Tu prends par exemple Orange et moi, c'est quelque chose qui vient de ce type de truc. Mais l'histoire n'est pas finie pour les 10 qui n'ont pas gagné. Ils vont être remis en vote pour les salariés et dans un mois, il y aura 2 autres projets qui vont être retirés. Mais c'est une formidable... Moi, j'ai connu ça, c'est le troisième que je fais. Au début, moi, on me disait, à Caton, je crois que les gens, ils allaient courir. Je ne sais pas pourquoi. Caton, voilà. Marathon. Voilà. Ouais. Mais là, c'est vraiment un truc formidable. Et moi, j'encourage tous ceux qui ont des idées. Tu vois, par exemple, il y a Michael qui est dans le truc. Michael... c'est vraiment typiquement le genre de choses que tu devrais courir là-dessus avec tes idées. Et puis même tous ceux, parce que les agrumes, il y en a plein. Salut Trépli Hugues. Marc ALD, t'es rentré de vacances. J'ai vu que Marc, il était aux États-Unis. Hein, voilà, il a fait tous ces trucs là-bas. Florian, Alain, Cathy. Ah, Cathy, qu'elle dit « Easy to cry ». Ah oui, j'aime bien parce qu'on se retrouve là toute une petite... Beaucoup de fans de Chadet. Et oui, Chadet, mais attends, Chadet, c'est ma jeunesse. Ah oui, Chadet, en plus, j'avais exigé que ma frangine se coiffe comme Chadet. J'avais le méga poster de Chadet. Ouais. Chadet qui chantait souvent au pied, en pied nu. Oui, ça souvent en pied nu. Et Chadé, pour ceux qui ne savent pas, elle est métisse nigériane. Ouais. Hein, voilà. Une Chadé voix, un truc. Ça va. Voilà. Allez, Marie, passe une bonne journée. À bientôt. Cathy, il me vient juste une idée comme ça. L'autre jour, je faisais des tests avec ma... Je testais la GoPro en diffusion live. Je teste et je n'avais pas mis en secret. Boum, je suis passé. Et Cathy, elle m'a vu chez moi, torse nu, les seins à l'air. J'ai dit, mince, Cathy, excuse-moi.
vite fait pour partir. Salut Gilles, comment tu vas? Gilles qui est un ancien d'Orange qui est à la retraite maintenant là-bas du côté de Bordeaux, Royan, où on a passé une belle nuit, une belle soirée chez lui pendant le road trip des agrumes. D'accord. Voilà. Et oui, c'était une super. Ah oui, comme Yannick. Eh ben oui, Yannick Noah, c'est pareil. Hein. Ça fait partie des trucs voilà, qu'on écoute et qu'on. Alors je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est dit. Salut Olivier, comment tu vas? Lulu, Titi, Timéo, Fever. Ah, ça c'est les gens qui ont des pseudos où il y a les prénoms de toute la famille. Tu vois? Donc là il y a Lulu, Titi, Timéo. Voilà. Nicolas Béel qui est là, Marie bise à la princesse, oui. Oh la princesse, tu n'es pas sur mon Instagram Marie, mais si tu vois, aujourd'hui elle s'est mise sur son 31 parce qu'il y a la photo de classe. Mais j'ai deviné qu'il y avait quelque chose, elle est arrivée, elle me dit « Papa, laquelle boucle d'oreille je mets ?» Bah, je lui dis « Celle-là ». Elle me dit « Oui, moi aussi je pense, ça fait classe ». Je dis « Mais tu vas où là? T'es amoureuse ?» 11 ans elle a. Et elle me dit « Non, non, c'est la photo de classe ». La fille, elle veut marquer les esprits, c'est ça. Les NDI, c'est toujours comme ça. Mon Georges, comment tu vas? On se voit bientôt, j'espère. Modération, qu'est-ce qu'il y a eu en modération hier? Ah oui, toujours cette histoire de page. Tu sais, quand on me partage les pages avec le j'aime. Tu sais, souvent, parce que nous, dans la communauté des agrumes, on ne souhaite pas que les pages qui soient partagées, les posts, ont des. C'est la petite main comme ça, ou le marquage j'aime la page, ou s'abonner à la page, ou en savoir plus. Donc, si tu veux partager ça, il faut faire une capture d'écran et repartager. Et là, on a été obligé hier de. Je crois qu'on a eu 3 ou 4 posts. Les gens qui partagent vite fait sans regarder qu'il y a un j'aime la page. Alors évidemment, ça ressemble à une brimade, mais on ne voudrait pas des partages de choses qui vont à l'extérieur. Ouais. Et puis c'est tellement mieux quand tu fabriques ton poste. Tu vois? Moi, des fois, je vois un truc et je me dis, tiens, je vais le refabriquer, je vais prendre une photo. Il y a un truc qui était bien, c'était 2 œufs, un œuf un peu blanc et un œuf un peu foncé. Qui était à côté, et à côté il y avait les 2 mêmes œufs cassés en œuf au plat. Ouais. C'était pour montrer la diversité, de dire que si de l'extérieur on est différent, à l'intérieur on est pareil. Voilà, parce qu'on est 2 œufs. Voilà, ben oui. Là tu vois 2 œufs. Deux œufs. Voilà, donc il y a ça sur la modération, et puis toujours dans la bienveillance. Voilà, voilà. Bon, Tinette, c'est vrai que quand tu seras grande, tu te marieras avec moi? Que tu vas grandir encore. Bon, eh ben, on va se quitter parce que on a quand même des choses à faire, on a un métier. Bon courage à toutes celles et ceux qui vont aller bosser tout à l'heure parce que nous, on va faire l'inauguration, on va se promener. Et puis, on se dit à tout à l'heure, à peut-être un peu de live, mais sinon, ce soir, 19h, là, VDS. Et puis sinon, demain matin, hein, on sera samedi. Je te laisse faire un peu la grasse mat et puis on se fait un petit truc. Tous à la même couleur intérieure, on est orange à l'intérieur. Allez, bye bye à tous. Bye bye. Et puis, souvenez-vous de cette tête-là. Stéphane.